avec un ballon qui traite dangereusement. Un dégagement pour finir Tessinois. Cette fois-ci pour Saipi, 1-0 pour les Bernois qui méritent parfaitement cette ouverture du score. Lustenberger et qui relance. C'est pas mal donné. Le centre. Et avec un sauvetage au dernier moment. Mais encore une fois, les Bernois plus vifs pour récupérer la balle. Les Luganais ne savent plus possession de la balle. Jam. Jam. Fin de balle. Portrait. Oh, défense à 3 avec des hommes sur les côtés. Mais il va falloir un petit peu plus de dynamisme de la part des Luganais. Pour... Bien fait Sabatini. On va essayer de changer de côté, c'est bien vu. Jam, le contre-attaque ne pourra pas partir en direction du but. Beaucoup de ballons, c'est pas mal donné du tout. Ajrizi, il doit avoir un petit peu moins mal quand même que Adjam. C'est quand même lui qui a été projeté le Bernois contre le panneau qu'il y a aussi. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller pour Jawen Adjam. Présence physique et une masse musculaire un petit peu plus grande. Renic. Regardez comme encore une fois la solidité. On retrouve ici. Jam. Collé. Itan Ugrinic, Adjam, on passe énormément par le côté gauche. Dans les pieds tessinois. Hein. Commis dans les 16 mètres. Il y aura simplement un dégagement 5 mètres. On réclame côté bernois. Non, rien du tout. La VAR a demandé à revérifier. Ouais, il y avait peut-être une petite intervention là quand même de Lustenberger qui est celui qui s'y est. Mahou, violent, mais pas cadré malheureusement pour Lugano. Bien joué là. Bislimi, Chodangolo comme c'est mis sur l'écran géant. Camara qui fait bien son travail hein, dans... oh, juste devant son entraîneur qui crie beaucoup, qui hurle. Adjam. Adjam qui est passé, ça peut être dangereux avec son 3 contre 3. Oula. Ah, la puissance aussi c'est chez ce jeune Jawen Adjam. Ah, sa passe n'arrive pas. Intercepté par Colley. Adjam, oh, ça tourne bien, c'est bien joué. C'est... Adjam. On va essayer de jouer vite, c'est lui qui a obtenu l'égalisation. Et... il perd la balle sur Bouka. Pour les Young Boys. Là, la défense luganaise, alors vraiment prise en... Et une entrée tonitruante de l'attaquant norvégien. Ah, le centre au deuxième poteau. Et... est-ce que Adjam a touché la balle? Apparemment pas. Le ballon revient donc au Bernois. De l'autre côté, il y a un petit peu de monde. Les deux Bernois sont gênés là. Mbouka se montrait menaçant sur corner. Ses coéquipiers, en l'occurrence Camara. Adjam. Ah, il y a
peu moins d'accélération hein, côté bernois. Il y avait des changements de rythme incessants. Mbouka. Ouais, bon contrôle en pleine course. Mbouka, quelle rapidité. Et le centre en retrait. Et goal au Greenwich pour le 3-2. Et 16 mètres luganais. Mais là, commence quand même à être bien détrompé. Maintenant, il n'a pas cessé de pleuvoir depuis le. Adjam. Oh là, une position de hors-jeu très nette alors. L'action se poursuit quand même. Prendre le risque de le signaler tout de suite. Alors, il n'y a pas 3, mais à 2 mètres. Sabatini. Ballon reste. Ah bah non, il reste pas de Tessinois, il est en faveur des Bernois. Sabatini comprend pas la décision de l'arbitre. Le centre, le long, Montero. Et on va apparemment demander à l'Allemand Maï de tenir le centre de la défense avec Ajrizi. Et c'est Spinoza qui va aller jouer sur la droite, sur le couloir droit. Il faudrait plus faire quelque chose. Ouais. Et Gergic. Le centre, contré. Et un bon coup franc pour les Tessinois, obtenu pour cette faute. Adjam sur Bislimi. Avec un mouvement intéressant là pour Espinoza. Espinoza qui perd la balle. Ouais, et une faute, et il y aura certainement un carton jaune. All'88esimo, seconda, terza e quarta sostituzione.